Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous le remarquez sur la plateforme, j'avais déjà pris des positions et je vais prendre ici des positions encore à la vente pour vous montrer un peu pourquoi j'ai pris cette position sur le canal. Et vous remarquez que c'est sur le troisième point de niveau que j'ai pris la position. J'avais déjà prise sur deux paires, l'euro 4 et puis le USD 4, disons. Voilà, parce que ces deux paires, il y a une certaine corrélation entre ces paires. Et je vais vous expliquer un peu de façon plus simple et claire pourquoi j'ai pris cette position. Je vous rappelle un peu cette position de rattrapage comme ça. Je conseille à tout débutant de ne pas le faire chez eux. Mais je vais vous dire aussi que si vous ne risquez pas, ça va être vraiment difficile pour vous de pouvoir rentabiliser. Donc ensemble ici, on va apprécier un peu qu'est-ce que le marché va faire. Et j'aimerais aussi que vous preniez le soin de regarder un peu les explications que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer un peu de façon plus claire et simple afin que vous puissiez mieux comprendre les stratégies simples sur le canal. Voilà, comprenez un peu que lorsque le marché se rapproche vers votre troisième point de niveau, vous devez prendre des positions de vente sur la ligne de résistance et des positions d'achat sur la ligne de support. Donc tout simplement, on va apprécier un peu qu'est-ce que le marché est en train de faire afin de pouvoir voir le résultat de façon plus claire et simple. On va patienter un peu. Vous voyez que le marché est en train de partir dans mon sens ici. Il y avait déjà pris une position de rattrapage. J'avais dit 6 positions de rattrapage un peu à la hausse là-bas. Et on voit qu'il y a 2 positions, il y a 4 positions que j'avais déjà prises au préalable. C'était sur le niveau de résistance. Vous voyez que le niveau de résistance a été cassé. Donc, tout simplement, nous allons patienter afin que le marché vienne nous mettre en plus, c'est-à-dire sur les 4 premières positions. Et on voit qu'il y avait déjà pris 250 et sur les 4 positions, ça nous fait environ 1000 euros, on va dire. Et vous voyez que j'ai pris 6 positions de 500 euros afin de pouvoir rattraper ici au cas où la position part en moins. Et on voit que le marché est en train de partir dans mon sens. Comme je vous dis, il faut patienter à chaque mois. Et vous voyez que le marché est en train de me mettre en plus ici sur Euro 4. Voilà, ça c'est une autre position que j'ai prise là-bas. Donc tout simplement, on va patienter. Sur USD 4, j'avais pris ici 2 positions de 5 minutes. Et ce sont ces 2 positions de 5 minutes qui sont rentrées en plus rapidement. J'avais rechargé 10 000 et vous voyez que je suis à 4 000 actuellement parce que j'ai maximisé mes positions et vraiment c'est beaucoup risqué. Et j'aimerais pas que vous le fassiez chez vous si vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas, comment dire, une bonne base. C'est pas donné à tout un chacun et comprenez aussi la psychologie, ça joue un très grand rôle. Comprenez que si vous avez 10 000 sur votre compte, vous devez trader 10% des 10 000 et on va regarder un peu ce qui se passe. La vidéo a été accélérée donc vous allez voir un peu le résultat. On voit que les positions sont rentrées en plus ici, les 4 positions de 250 euros. Et on voit que j'ai fait un bénéfice de 100%, on va dire 92%. Voilà. Ici, c'est la position de Euro 4, comme vous l'avez vu. On va attendre ici pour voir un peu qu'est-ce que le marché est en train de faire ici. Ici, j'ai pris 250, j'ai pris 6 positions de 250 euros. Ça nous fait 1250, donc en espérant rentabiliser. 1250 environ, on va dire 1100 euros afin de pouvoir au moins augmenter un peu mon capital. Donc c'est un gros risque, mais vous le voyez que c'est sur le canal que j'ai pris. Donc trader toujours dans les canaux parce que ça va vous permettre de pouvoir mieux rentabiliser. Et tout simplement ici, je vais vous expliquer de façon plus simple et claire pourquoi j'ai pris cette position ici. Comme je le disais toujours, il y a un canal qui est là. Je vais vous montrer ici. Nous sommes sur 5 minutes, on voit que qu'est-ce que le marché est en train de faire ici, ces 5 minutes. Et ensemble ici, vous voyez que le marché est en train de partir dans mon sens avec une grande bougie jusqu'à ce qu'elle ait venu mettre les 4 précédentes positions que j'avais prises qui étaient sur le niveau de résistance et qu'on a vu que le marché a fait une cassure. Mais comme je vous dis toujours, multiplie le temps d'analyse par 3. Pourquoi? Parce que le marché peut faire 5 minutes dans le sens contraire et 10 minutes ou soit 5 minutes dans votre sens. Les deux lignes du canal, je trace afin de pouvoir mieux vous montrer. Et on voit ici la ligne horizontale là où le marché est venu toucher. Voilà, donc on voit que le marché va venir sur la ligne de support, ainsi de suite. Tout ça, c'est qu'elle trouve une nouvelle direction à la baisse. Et je vais vous montrer ici là où le marché est capable de s'arrêter. Voilà, on va voir que le marché, il aura une cassure à la baisse. Et pareil ici aussi, je vais vous montrer ici qu'est-ce que le marché va faire au fur et à mesure afin de pouvoir comprendre un peu la direction du marché. Nous avons un canal ici haussier. On voit ici le marché qui va à la hausse.
Et on va remarquer ici que le marché est venu toucher, disons, que la ligne comment dirais-je, du horizontal, disons, la ligne de résistance ici est tout simplement en vent. Et on voit que le marché va stagner ici parce qu'on voit que au fur et à mesure que le marché est en train de partir à la hausse ici, le marché ne vient plus se renouveler sur nos lignes de support. Donc, où le marché est capable de s'arrêter, c'est ce que je viens de tracer ici, c'est un niveau. Pas le niveau fort, c'est pas le niveau, le point zéro, mais c'est un niveau où le marché est capable de s'arrêter. Donc, il faut comprendre tout ça parce que le marché ne se déplace pas de façon rectiligne. Il y a toujours un niveau qui permet au marché de se souffler un peu. Donc, profitez un peu de, comment dirais-je, du comportement du marché. Apprécier, on va apprécier un peu le marché, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous reste environ 1 minute. On va patienter, on va apprécier un peu ce que le marché est en train de faire ici. 6 positions de 250 qui sont en train de rentrer en plus ici. Vous avez vu que ce que le marché a fait. Donc tout est possible, mais ayez une bonne stratégie. Tradez toujours dans les canaux parce que c'est très important. Venez sur la ligne de résistance et achetez sur la ligne de support. Comme je l'ai dit toujours dans mes précédentes vidéos, le i qui est à gauche ou à droite, je vais faire apparaître ici une vidéo qui va vous permettre de pouvoir mieux comprendre un peu comment tracer les lignes de tendance, disons, et comment prendre des positions rentables. Et ici, vous voyez que le marché est en train de partir aussi dans mon sens afin de pouvoir mieux rentabiliser. Et regardez un peu mon compte, je suis à 13 540, je pense bien. Et vous voyez que j'ai augmenté un peu, j'ai fait plus de 30% de mon dépôt initial parce que j'avais fait un dépôt de 10 000, vous voyez qu'en quelques fractions de seconde. Et je pense bien que j'étais en train de donner des signaux dans le groupe. Et mes étudiants aussi qui sont dans le groupe aussi ont profité de ce signal. Et j'ai eu l'occasion de filmer aussi ma plateforme afin que vous puissiez mieux comprendre. D'où les prises de position avaient été déjà prises. Et je voulais juste vous montrer en prenant encore quelques positions pour vous montrer que vraiment le signal va rentrer. Ici, j'ai pris la position parce que le marché a donné un signal à la hausse ici. Et remarquez là où le marché est capable de s'arrêter, là où je suis en train de vous montrer. Je vais tracer ici la ligne horizontale ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Là où le marché est capable de s'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que regardez l'espace entre votre prise de position et le niveau. On voit que l'espace entre la prise de position et le niveau est très petit. Mais néanmoins, on a pris un risque parce que c'est comme ça, c'est le trading en fait. Donc on patiente là, vous allez mieux voir. Voilà, il nous reste environ 1 minute. Vous voyez que le marché est en train de partir dans le sens contraire parce que on avait pris 15 minutes à la hausse et on remarque que quoi, le marché est en train de partir dans mon sens, dans le sens contraire, disons. Vous avez vu qu'en 1 minute seulement, le marché nous a mis en moins. Donc, vous voyez que l'espace qui est entre votre prise de position et comment dirais-je de l'autre côté, vous voyez que ça peut vous mettre en moins entre la prise de position et le niveau de support et de résistance. Tout simple. Où est le groupe Telegram? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons donné des signaux aujourd'hui pour que vous puissiez voir. Et vous voyez que le marché
était bien, on a donné des bons signaux afin que tout le monde puisse rentabiliser. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'est-ce que le marché a fait. On a donné des signaux. Vous voyez comment ça se passe. Je partage les images là où le marché est capable d'aller et tout le monde se prépare afin de pouvoir prendre des positions d'achat ou de vente. C'est simple dans le groupe de Telegram. Et je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo afin que tout le monde puisse en bénéficier. Tout le monde m'écrit. Si vous avez la possibilité de m'écrire, écrivez-moi pour qu'on puisse échanger aussi. Voilà. Et tous mes étudiants m'écrivent. Vous voyez là, la position rentre en plus ici. Vous voyez comment c'est intéressant. Ici aussi, ça rentre en plus ici. Et on traite toujours dans les canaux et afin que tout le monde puisse se rentabiliser. Parce qu'il faut donner, il faut regarder aussi des signaux qui favorisent un peu pour qu'on ait plus, disons, 80% ou même soit 85% de chances que le marché nous mette en plus. On voit que le marché est parti toucher notre canal, mais on n'a pas vite pris la position. Donc, on va patienter tout simplement afin que le marché pas dans notre sens et on va patienter un peu ici parce qu'on voit que quoi, le marché est en train de faire un retournement, disons, parce qu'on voit que la tendance baissière elle est forte avec les grandes bougies. Mais tout simplement, on trade dans nos canaux et lorsque le marché fait un contact, on achète sur la ligne de support et on vend sur la ligne de résistance. C'est tout simple. Vous voyez là, on remarque aussi qu'il y a un canal aussi qui était là. Et regardez ici ce qui se passe, les amis. On va compter ici vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Vous voyez que ce sont les figures parten. Et regardez ce qui va se passer. C'est ce qui est en train de se passer à notre droite ici aussi. Vert, rouge. Et puis, bon, on voit le rouge. Donc, il y aura une bougie verte ici. Voilà. On va voir que c'était ces 15 minutes. Je change ici le temps simplement. On va laisser 5 minutes afin de pouvoir prendre la position. Et les figures pattern, c'est comme ça. Les figures pattern se comportent aussi. C'est un signal aussi qui marche très bien. Ici, je vais prendre ici une position ici à l'achat afin que nous puissions rentabiliser. Donc, on va attendre le retour. On va attendre après 15 minutes pour voir le résultat, disons. Voilà. Nous allons voir un peu. Et puis, je vais vous tracer un peu la ligne de support. Parce qu'on a la ligne de résistance là-bas. On va tracer la ligne de support afin que vous puissiez mieux voir. Et là, on voit que le marché est en train de se déplacer à l'encontre de notre prise de position. Pareil ici aussi sur le GEP. Tout simplement, nous allons patienter afin que le marché ne se passe dans notre sens. On a pris une position ici d'achat. Donc, tout simplement, nous allons patienter. Vous voyez que le marché est en train de descendre avec une certaine force, une certaine puissance. Regardez encore dans l'histoire. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ici. Là où est ce qui se passe là sur les figures pattern, on voit que le marché est en train de partir dans mon sens ici. Et pour que vous puissiez voir un peu l'analyse que je viens de faire, c'est-à-dire nous sommes dans un corridor. Voilà, sur 15 minutes, on a vu les figures pattern, sur 5 minutes, on voit bien les corridors. Donc, tout simplement, nos positions sont rentrées en plus ici. Donc, où est là ce que le marché a fait. Voilà, donc les figures pattern se comportent de telle sorte, vous tracez le corridor, vous rentabilisez dans le corridor, c'est tout simple. On va revenir encore sur notre page GEP USD pour que vous puissiez mieux voir parce que ici, je pense bien que l'explication est déjà faite. Nous sommes dans une tendance baissière, configuration de figure pattern et c'est tout. On voit que le marché est en train de partir à la baisse ici, le marché a cassé même la ligne de support. Donc, on va patienter tout simplement, on va attendre si possible pour se rattraper. Voilà, il faut venir sur un petit temps pour voir qu'est-ce que le marché est en train de faire et puis il faut regarder aussi la puissance. Regardez aussi comment la bougie ou sorte votre ligne aussi, si votre ligne est bien tracée, afin que vous puissiez rentabiliser aussi. Donc, on va patienter simplement afin de pouvoir rentabiliser. On va attendre d'abord que le marché nous donne un signal de retournement afin de pouvoir prendre la position à l'achat ou à la vente, tout simplement. Donc, ce que je vous demande, c'est de patienter et puis bon, on attend le bon moment afin de pouvoir rentabiliser. Voilà, donc ici, on va prendre ici une position de 15 minutes en augmentant aussi notre banque afin de pouvoir rentabiliser sur les deux premières pertes
Parce que la première position, nous avons pris 150 roubles, la deuxième position 100 roubles, afin de pouvoir, comment dirais-je, couvrir les deux pertes, disons. Donc ici, on va prendre une position d'achat rapidement. N'ayez pas peur souvent quand vous prenez la position. C'est bien vrai que souvent les émotions aussi jouent. Donc le mieux, c'est de, comment dirais-je, prendre des positions qui vont permettre de pouvoir rester un peu, comment dirais-je, serein et plus calme. Voilà. Donc ici, on voit que la position ici, comment dirais-je, en train de partir ici dans notre sens. Ici, on va patienter. On a pris ici 5 minutes. Tout simplement parce que l'analyse s'est faite 6-5-15 minutes. Comme je le dis toujours, il faut aller signer longtemps toujours pour faire l'analyse, parce que comme ça, vous voyez ce qui est en train de se faire sur le marché, et c'est encore plus mieux, encore plus intéressant. Donc tout simplement, on va patienter, on attend d'abord. Et la première position est rentrée en moins, et la deuxième position de 100 euros, on attend pour voir qu'est-ce que le marché va faire. Il nous reste quelques instants. Voilà, la position de 5 minutes de 250 roubles est rentrée en plus ici, donc on attend d'abord, tout simplement. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici, et on attend que le marché parte dans mon sens. Ok, on voit que le marché est parti dans un sens ici. On voit que le marché, il nous reste quelques secondes afin de pouvoir clôturer, disons. Donc, en quelques secondes, on va voir que notre position va rentrer en plus ici, tout simplement. Voilà, on a vu que notre position est rentrée en plus ici, donc on patiente. Vous allez voir que le budget aussi est à 13 600 ici. Comme je le dis toujours, quand vous maîtrisez quelque chose, ça devient votre propre arme que vous devez utiliser afin de pouvoir rentabiliser. La connaissance est le meilleur cadeau de Dieu. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, il y a le lien code texte là-bas, allez-y vous inscrire. Inscrivez-vous sur le lien. Il y a le code promo aussi, contactez SAP Trading afin de pouvoir bénéficier aussi du code promo pour pouvoir au moins bénéficier de 30-40% de bonus sur vos rechargements. Mais lorsque vous faites votre première inscription directement, vous aurez 30% sur votre premier dépôt. Et c'est encore plus intéressant. Vous voyez là, vous voyez ce que le marché est en train de faire. Vous voyez comment j'ai tracé ma ligne ici. Le premier point et le deuxième point, je considère, on voit qu'il y a une fausse cassure et on voit que le marché a cassé notre ligne de support. Donc tout simplement, tracez bien votre niveau et je vais marquer sur le i à gauche ou soit à droite. Vous allez bénéficier d'une vidéo explicative dans laquelle, disons, nous expliquons un peu comment prendre des positions d'achat ou de vente, et puis comment nous traçons aussi nos canaux afin de pouvoir prendre des positions sur les lignes de support et de résistance. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le marché va faire, vu que on a vu ici un signal à la baisse ici, mais c'était un peu plus tard. Donc, ici, on a le premier point, notre deuxième point sur chaque point et sur chaque niveau, disons. On a le troisième point ici, et puis vous voyez où le marché a stagné. Donc, là où le marché a stagné, vous allez voir un peu. Je vais vous montrer un peu la tendance haussière, la tendance qui a été rapide. Et on voit que le marché a stagné sur le troisième point de résistance, là où je viens de vous montrer. Et on voit que le marché a stagné encore. Et vous allez voir que l'objectif du marché, c'est de venir à la baisse ici. Parce que regardez la bougie qui s'est formée. C'est une grande bougie rouge des vendeurs. Donc en option binaire, soyez malin. Soyez très très malin parce que le marché a sa logique. Et comme on le dit toujours, d'après la loi d'Elliott, des vagues d'Elliott, d'après la loi des vagues d'Elliott, le marché se déplace de pic en pic, d'un niveau de support à un autre niveau de résistance. Donc, quand vous maîtrisez cela, vous vous posez juste une simple question: d'où vient le marché ou pas le marché? Quand est-ce qu'il faut rentrer en position? Et avec moi, à chaque moment que je fais des bénéfices, je vais faire des retraits rapidement. Donc, je vais faire un retrait de 3 500 euros afin que vous puissiez voir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais un dépôt de 10 000 et je fais un bénéfice de 3 500 en quelques minutes. Je pense même que ma journée est gagnée parce que chaque jour je me fais un max, un bénéfice, et vraiment ça me fait plaisir. Toutes les personnes qui veulent apprendre le trading, n'hésitez pas. La confirmation du retrait a été faite bien. En 2 minutes, j'ai reçu ici ma somme ici de 350 et 3 500 euros, disons, et je reviens sur la plateforme afin que vous puissiez voir.
Avec SwapTrading, on gagne à chaque moment. Il y a le lien Telegram, je vais mettre dans la description. Il y a le lien Cotex qui est dans la description aussi que vous allez avoir. Vous pouvez me contacter aussi ici, @swaptradinggmail.com. Et je me déconnecte parce que j'ai terminé. Passez une excellente journée et au revoir. Merci bien.